bombardez-les ici! Mais le navire tient le coup! Salve ennemi! Au navire de guerre ennemi approche! C'est dangereux ? Edward ? Être corsaire, c'est dangereux ? C'est pour ça qu'il paie si bien. Mais il y a la marine royale. Tu toucheras une bonne solde entourée d'hommes d'honneur. Au diable, la marine royale. Pour chaque shilling que je gagne, le commandant en prend 600. C'est pas comme ça que je ferai fortune. Qui te demande de faire fortune ? Je vais pas faire fortune, Caroline. Je veux juste pouvoir manger à ma faim. Je veux un toit solide au-dessus de ma tête. Je veux une vie décente. Tu seras parti avec ces corsaires. Combien de temps? Un an, je dirais. Deux, tout au plus. D'accord. Pas plus de 2 ans. Promets-le-moi. Ça t'a plu à toi aussi? La Havane. Il faut que j'aille à la Havane. Eh ben, j'ai plus qu'à nous construire un navire. Je te paierai. L'or, n'est-ce pas ce que veulent tous les pirates? 1 000 000 d'escudos. Je t'écoute. Alors, tu vas m'aider, oui ou non? Et t'as tout cet or sur toi, bien sûr.
Misérable chien de pirate! Je vais t'avoir, sale anguille! Allez, mon ami! On est parti du mauvais pied! La Havane est à plus de 100 lieues! Tu vas quand même pas y aller à pied! On devrait pouvoir s'entendre, non ? Seigneur Duncan Walpole, j'accepte votre généreuse proposition et attends votre venue avec impatience. Si vous détenez les informations que nous désirons, nous vous récompenserons amplement. Votre visage m'est certes inconnu, mais je crois pouvoir reconnaître la tenue qui a rendu votre confrérie si tristement célèbre. Par conséquent, gagnez en toute hâte là-bas. Je vous assure que vous y serez reçu comme un frère. Votre très humble serviteur, gouverneur Laureano Torres y Ayala.
étoile, Paul. Allons toucher votre récompense. Ce schooner fera parfaitement l'affaire. De réquisitionner le navire de ce gros balourd. Pardon ? Kingston ? Non, non, nous allons à la Havane. Je ne suis qu'un simple marchand. Sale pirate ! Tu seras pendu pour ce service-ci. Monsieur, je n'ai pas pris part à cette attaque. Nous avons mouillé pour faire de l'eau et embarquer des vivres. Halt ! Arrêtez-les ! De ne pas t'ouvrir le crâne. Prenez tout ce que vous voudrez. Je vous paierai tout ce que vous voudrez. Mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Le ciel soit loué, monsieur. Vous m'avez sauvé. Tous mes remerciements. C'est le tien ? C'est mon navire, oui. Mais voici son malheureux capitaine. Et je ne connais rien à la navigation. Je le piloterai moi-même, ne t'en fais pas. Vous ne comptez pas vous enfuir à son bord, dites. Je suis Duncan. Quel est ton nom, mon ami ? Steed. Steed Bonnet. Eh bien, monsieur Bonnet, que ceci reste entre nous. Mais je suis en mission secrète pour Sa Majesté. Dieu veille sur lui, et je dois rejoindre la Havane au plus vite. Ah, vous me voyez soulagé, monsieur. La Havane est aussi ma destination. Nos destins nous réunissent. C'est la chance, mon ami. Oh, vous me rassurez, monsieur. Quand je vous ai aperçu, j'ai bien cru avoir affaire à un pirate. Ah oui ? Oui, vous avez une démarche assez peu commune. Rapide et aisée, si je puis me permettre. Vous m'avez flanqué la frousse. Mais, tout bien considéré, je crois que cette journée a plutôt bien tourné, n'est-ce pas ? Sans barque, j'ai peur que nous ayons à nager jusqu'au navire. Ça pourrait être pire, Bonnet. Bienvenue à bord, Duncan. Ce n'est qu'un modeste schooner, mais il convient idéalement au convoyage de marchandises de ma plantation. Un beau navire. Le vent a forci. On ferait mieux d'envoyer toute la toile, non ? Ah, sentir le vent dans mes cheveux et le parfum de l'océan dans mes narines. Cette odeur brute me réconforte. Elle m'évoque tant de possibilités. J'aime ta manière de voir les choses, Bonnet. Nous voguons à belle allure, Duncan, n'est-ce pas ?
matelots semblaient assez inquiets à l'idée que des pirates écument ces eaux. Pensez-vous qu'il s'agit d'un réel danger ? Pas vraiment. La plupart des pirates rôdent dans la passe au vent, au Cuba Hispaniola. Je vois, en effet. C'est un endroit très fréquenté. Arrêtez les manettes ! Mais à dire vrai, je n'ai guère à m'inquiéter d'une attaque de pirates. Mon navire est petit et je ne transporte rien de bien précieux. De la canne à sucre, de la mélasse, du rhum. Un seul pirate au monde ne tournerait le dos à un tonneau de rhum. Ma foi, vu sous cet angle, vous devez avoir raison. Vous êtes un marin né, Duncan. J'ai déjà eu l'occasion de faire mes preuves à la barre. Durant 2 ans, parmi les corsaires. Dieu du Saint-Ciel, votre vie respire l'aventure, mon ami. Tant de péripéties, c'est merveilleux. C'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges. Excellent travail. On est sur la bonne voie.